Je suis contente de vous retrouver pour un haul de action. Bon, il n'y a pas grand chose. Et un petit peu aussi, on a été à Aldi parce que j'avais soif. J'avais envie de boire et j'avais pas envie d'acheter tout ça. Donc du coup, avec mon mari, on a pris ça. Volvic, de l'eau. Et ouais, on est sérieux. Après, donc, eh bien, Aldi, il s'était obligé. J'ai vu, j'ai dit, ça, il me faut. Donc, on en a pris deux avec mon mari. Voilà. On est un petit peu en avance sur le 1er mai, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça y est, j'ai mes brins de muguet. Là, en plus, bon, là, pour l'instant, on va pas les dépoter parce que comme ils sont encore en fleurs, sinon, on va les planter, on va les mettre dehors, ça va pourrir. Donc, alors, on a pris un comme ça avec le pot marron. Et, excusez-moi pour le bruit du plastique, que ça peut gêner certaines oreilles. Ça va en gêner quelques-uns, c'est obligé, il en faut, hein, des gens comme ça. Et donc là, c'est en vert, couleur vert nature et tout, j'adore. Il en faut. Mais alors, par contre, ils sont super bons. Avec mon mari, on n'a pas tergiversé, on a pris 5,95€, je crois, hein, c'est ça? Ouais. Qu'elle nous a dit la patronne. Ah, ça sent trop bon, j'adore le muguet. Mais par contre, j'aime bien comme ça, mais pas après pour le Ajax, pour laver le sol, j'aime pas. Ça fait vomir, ça porte au cœur. Après, ben, action, j'ai pris deux poubelles comme ça, parce que comme, vu qu'il y aura... Vu qu'on n'aura plus les poubelles au porte-à-porte. Et en plus, ben, par rapport à la poubelle que j'ai dans la cuisine, on va mettre celle qu'il y a dans les toilettes en plastique. Et parce qu'elle nous a dit, enfin, c'est pas seulement comme je disais, que j'essayais de faire au mieux le tri dans les poubelles jaunes. Mais il y a des choses que, ben, que je ne mets pas forcément parce que je ne sais pas. Donc elle m'a dit que de toute façon la poubelle, enfin les sacs noirs, plus ça va aller, moins il y aura de choses à jeter. Bon, style dentier, enfin brosse à dents, rasoir et tout ça. Là oui. Mais sinon voilà, donc c'est pour ça qu'on va réduire les tailles des poubelles et tout ça. Donc là, les toilettes, mais la salle de bain, mis à part, je sais pas, enfin les protections hygiéniques. Après, dans la salle de bain, parce que le coton, je ne sais pas du tout, le coton, si c'est recyclable, si ça se met dans un... Je ne sais pas. Ça, par contre, j'ai pas pensé à poser la question pour le coton, mais je sais que les cotons-tiges, comme il y a du plastique, enfin, même pas maintenant, c'est plus du plastique, c'est du bambou, donc peut-être que maintenant, c'est recyclable, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs, je ne sais pas trop, donc bon, là... J'ai réduit les tailles des poubelles dans la salle de bain et dans les toilettes. Et ben, il faudra que les enfants prennent le pli comme nous à jeter le rouleau en carton dans la poubelle. Enfin, dans le poubelle jaune. Bon, ça, on le faisait avant, donc ça change pas. Après, donc, j'ai pris un rouleau de sopalin à Action. Donc, on va commencer par Action. Puis Aldi, il n'y a pas grand chose. Il y a le sopalin que j'ai repris parce que comme il m'en reste plus beaucoup et je crois que j'en avais pas d'avance. Donc voilà. Après, ma fille hier avec avec la directrice, ils ont été acheter des trucs pour le restaurant. Et c'est là qu'elle a vu, elle m'a dit, maman, ils ont remis des crispy onions. Et c'est vrai que là, c'est des sachets de 275 grammes. Et pour y avoir goûté, je sais qu'ils sont super bons. Donc là, je vais les mettre dans une boîte. Parce que quand j'ai entamé le plastique, ça, donc je les mets dans une boîte. Et j'en ai pris 3 paquets parce que comme ça, comme je sais qu'ils sont bons. Par contre, ceux de Leclerc, j'aime pas. Je sais pas. Puis là, ma fille, elle avait pris aussi au bacon. Et j'ai pas du tout non plus, j'ai pas trouvé le goût du bacon. Et non, j'ai pas aimé. Donc là, j'en ai pris 3 paquets. Là, on a de quoi faire pendant un bon bout de temps, je vous le dis moi. Par contre, celle qui en mange le plus, c'est ma fille. Elle en met partout. Moi, non. Dans les salades, j'aime bien. Dans la salade verte, après salade de tomates, je vois pas trop l'intérêt. Mais après, on peut en mettre dans les assiettes. Après, avec mon mari, on avait envie de décorer un peu notre balcon parce qu'on en a marre
Là, vu que ben, maintenant on ne va plus fumer dedans. Hein. Mais là, il faut qu'on monte nos chaises après. Mais vu qu'il ne fait pas tellement beau. Donc, quand il va faire beau, là, on va remonter nos chaises. Pour ne serait-ce que s'asseoir et puis prendre tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a plus de table. Mais il faut que j'en achète une. Mais je me dis à quoi bon. Donc, puis quand prendre le. Enfin, s'asseoir pour faire quoi, hein. Donc, voilà. Donc, on a pris des guirlandes multicolores. Bon, c'est un peu comme ce qu'on met à Noël, hein. Mais mon mari, il a ouvert le paquet dans le magasin pour voir. Donc, c'est comme ça. Vous avez le truc, donc c'est solaire. Donc, je vais pas tout déballer parce que c'est mon mari qui va s'en servir. Si je lui démêle, si j'y emmêle, qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Mais non, j'ai rien pour toi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de joujou à Zion. Donc après, j'ai pris deux gobelets comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est la paille, elle est en verre. Donc il faut faire très attention. Et là, faire très attention. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le verre, vous avez le capuchon. Donc vous pouvez le fermer. Ça, c'est pas mal. Ah, mais je vais pouvoir le ramener, vieux. J'ai pas vu, mais le dessus. J'ai pas fait gaffe, regarde le dessus, il est fissuré. Donc, dis en verre, c'est de la merde. Non, non, là, c'est le plastique. Là, tu vois que le couvercle est en plastique et il est fissuré. Donc, ça, je vais ramener. Voilà, heureusement que je regarde une fois à la maison, j'ai pas regardé dans le magasin. Donc, voilà. Moi, de toute façon, je vais peut-être voir, sinon, je vais y aller après. Qu'il n'est pas trop tard, on va y aller vite fait. Donc là j'ai pris ça, donc j'ai pris comme ça un. Donc celui-ci c'est Very Berry, donc c'est bien, c'est sympa pour boire. En plus moi comme ça avec après remplir mon pichet, ben je mets dans le verre, impeccable. Mais là ouais, je vais aller le ramener. Donc voilà. Donc, et l'autre, c'était Morito. La recette du Morito. Puis j'ai ma fille qui rentre pas cet après-midi. Ils ont eu 143 couverts. Donc là, elle m'a dit, on a du boulot, du boulot, du boulot. Ça rouvre à 18h30. Donc elle est de service ouverture. Donc elle m'a dit, je vais m'avancer pour ce soir. Donc là, j'ai repris des microfibres pour le visage. Donc là, je les avais en teinte rose et là, j'en ai repris. Et ils sont super, super géniaux. Franchement, moi, je me passe. Ah, c'est trop bien. Même pour me laver la figure et tout avec le savon, c'est tout doux, c'est trop, trop bien. Donc après, j'ai pris mon bain de bouche comme d'habitude. Alors là, j'en ai pris pour moi et mon fils. Donc j'ai pris deux fioles chacun. Donc là, j'en ai pour un bon bout de temps. Et en plus, j'ai retrouvé celui que j'adore. Ils sont là. Donc, j'ai pris une. De toute façon, il n'y avait pas comme ça, là. Il n'y en avait que deux. Je suis tombée sur les deux derniers. J'ai regardé dans le rayon. Il n'y en avait que deux. Donc, j'en ai pris deux comme ça. Donc, un pour moi et un pour mon fils. Et les deux comme ceci. Un pour moi, un pour mon fils. Donc, ça nous en fait quatre. Donc, j'ai pris ça. Après, j'ai refait un peu le stock à mon fils pour se laver. Parce que c'est que ça part vite, il n'y en restait plus que 4. J'ai regardé dans la. Pardon, excusez-moi, j'ai regardé vite fait. Donc là, j'ai pris un comme ceci, c'est Dynamic Pulse Shower Gel Adidas. Voilà. Donc j'en ai pris deux comme ça, donc un pour lui, un pour mon mari. Après pareil, j'ai pris celui-ci, c'est Ice Dive. Celui-là, il sent super bon. Oh, leur parfum, enfin de toute façon, leur gel douche aux hommes, il sent trop bon. Bon après, il y en a un, j'aime pas qu'il pue. Mais voilà. Donc un pour lui, un pour mon mari. Et ça, c'est les deux pour mon fils. Donc c'est Rebook. Celui-là, il sent bon. Ah, celui-là. Voilà. Mais j'ai plus un faible pour Adidas quand même. Et celui-là. Donc c'est. Celui-là, il sent super bon, celui-là, par contre. Hein. Oh là là, j'adore l'odeur. C'est Cool
cool. Ils sont super bons. De toute façon, généralement, pour les hommes, on se trompe rarement. Et après, pour finir, action, j'ai pris du dentifrice. Donc j'ai pris Oral-B pour essayer. Hein. J'ai pris un peu, j'en ai pris trois tubes. Ils étaient à 2 € et quelques. Et c'est Pro Expert. Donc là, c'est Oral-B Pro Expert. Non, attendez, c'est fait. Donc carie gencive, plaque dentaire, sensibilité, tartre, blancheur, haleine et émail. Et c'est des tubes de 75 ml, je pense. Ouais, 75 ml. De toute façon, même ceux-là, c'est la même chose. Celui-ci, c'est extra fraîcheur, pro repère, gencive et émail. Voilà, et celui-ci, donc c'est celui-ci. Et après, vous avez celui-ci, c'est Oral-B 3D White, élimine jusqu'à 80% des taches et procure une fraîcheur durable. Donc voilà. 75 ml, pareil. Donc voilà ce qui est pour action, c'est déjà pas mal, hein, on va dire. Donc les poubelles, j'en ai une comme ça noire. Que j'ai pris. Ce qui est bien, c'est qu'avec le petit panier, voilà. Mais deux mouchoirs dedans, s'il te plaît. Ouais, mais bon. Les navettes, on n'a pas pris. Oui, fini. Mais bon, c'est. De toute façon, la plupart du temps, maintenant, tu mettras plus rien dans ta poubelle. Après, ça sera même pas la peine d'en avoir. Et la poignée pour t'accrocher à la taille, si tu veux. Après, t'en auras plus besoin. Ça, tes papiers, tu les mets dedans encore, Michel. T'en auras plus besoin. Et tu l'accroches à ta taille. Donc, voilà. Et celle-là. De toute façon, après, à la fin, on n'en aura plus besoin. Aïe, 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 aïe. Oh, France. Donc là, ça commence à partir de quand? C'est en route. Le 3, il y en a une des deux qui s'arrête le 3. Et la deuxième, la jaune, c'est le 6. Ah. La 3, c'est le marron et la 6, c'est la jaune. Et après, il n'y a plus rien. Voilà. Après, fini. Et après, on va rigoler. On va en choper partout. Ah oui, là, ça va être... Ça va être génial. Et bon, faut qu'on s'y fasse tous. Hein. Donc, après, j'ai pris des pommes de terre, donc qu'il me fallait. J'ai regardé Aldi, il n'y avait pas de salade frisée, sinon j'en aurais pris, mais il n'y avait pas, donc j'en ai pas pris. Par contre, je vais pouvoir, avec mon mari, on va pouvoir s'en aller. J'ai trouvé des asperges. Alors, faut que je regarde, parce que je crois qu'il faut que je les pèle avant de les faire cuire. Mais ça, de toute façon, je vais regarder ça sur Instagram. Sur Google, je vais regarder. Pour préparer les asperges et tout. Ah, trop contente. Je vais pouvoir au moins me faire plaisir et manger des asperges vertes. Et ils viennent... Fruits d'or, terre, voire, de rue du Jardin de l'Art. À Bordeaux. J'en ai pas trop contente. Il y en a 500 grammes. Pour moi et mon mari, c'est peut-être pas beaucoup, mais ça va être certainement les seuls qu'on va manger de l'année. Mais l'année dernière, j'ai pas pu, j'en avais pas trouvé. Là, cette année, ben là, je vais pouvoir manger des bonnes asperges. Voilà. Il nous faut pas grand-chose avec mon mari pour se faire plaisir. Donc, j'ai pris aussi la bouteille de Volvic, comme je vous ai dit. Alors, nous, on a soif. En ce moment, avec mon mari, on boit aussi. Bon, on boit de l'eau, c'est déjà pas mal. Et après, j'ai pris deux chorizo doux pour la cuisine. Donc, voilà. Donc, ça va, c'était raisonnable. Bon, après, action, là, je vais aller ramener mon verre. Je vais voir si mon mari veut bien me ramener, vite fait. De toute façon, j'ai le ticket de caisse. Donc, parce que là, non... C'est bête, en plus j'aime bien, c'est la paille, elle est en verre et tout, ça c'est pas mal. Par contre j'ai vu, après je vais me... Après quand dans la... Je pense que je vais faire ça cet hiver. J'ai envie de m'acheter les tabourets, mais là bon, il n'y en a pas, c'est normal, c'est pas la saison. En bois ou un petit truc comme ça, pour mettre en hauteur. Et m'acheter des petits paniers pour tout ça, et pour changer un peu. J'ai envie de changer, j'ai envie de... De nouveautés dans la maison et tout, mais bon,
Et là, le coffre, c'est pareil, je vais voir pour le jarter, enfin, jarter dans le couloir, faire du tri. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui va partir à la poubelle. J'ai envie de du renouveau, on va dire. Donc voilà, mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!